close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on.
je mets de la webcam. Hello, comment ça va? Vous allez bien? On se retrouve pour l'épisode numéro 2 tutoriel que j'avais commencé il y a 2 jours. Donc c'est une nouvelle aventure où je vais prendre le temps d'expliquer aux gens qui connaissent pas le jeu comment survivre, à quoi servent les choses, tout ça. Voilà, donc on va prendre beaucoup de temps pour faire cette aventure là. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, ben, il est en rediffusion, si jamais vous voulez aller le regarder. Donc je rappelle, comme d'habitude, hein, on est sur mes propres serveurs privés avec ma team. Des serveurs qui sont légèrement boostés, pas trop peu, juste ce qu'il faut. Donc si jamais vous voulez venir jouer avec moi, ben, vous êtes les bienvenus. On est sur version Xbox Game Pass, donc sur la version Windows 10. Allez, c'est parti. Donc, dans le premier épisode, on avait appris donc à se nourrir. On avait fabriqué notre première maison. On avait apprivoisé un premier dino en mode passif. Qu'est-ce qu'on avait encore fait? Je vous ai appris à cuire la viande, enfin tout ça. Donc aujourd'hui, on va passer au stade apprivoisé. Hein? Je suis mort. Je suis mort. Ah ben, il faut croire que oui. Ah, pourtant il fait pas écrit que je suis mort. C'est quoi ce bordel? 11. Soit. Donc aujourd'hui, on va passer au stade supérieur. Donc c'est-à-dire, on va essayer d'apprivoiser un dino en l'endormant. En l'endormant de manière primitive, donc c'est-à-dire avec une massue ou avec un lance-pierre. Pourquoi? Ben parce que on n'a pas encore le niveau pour avoir les flèches tranquillisantes. Les flèches tranquillisantes, c'est au niveau 21. Donc on n'est pas encore là. Bon, j'espère qu'ils vont pas me faire spawn trop loin de ma maison. Mais comment ça se fait que je suis... C'est bizarre. Oh, pour retrouver ma maison, ça va être quelque chose. Hein. Oh non, il m'a mis où? Ah, attends. Je crois que je reconnais. Je crois que ma maison, elle est par là. Ouais. Je crois que ma maison, elle est par là. Ah, oh. Alors là, le dino que vous voyez en face de vous, ça s'appelle un trodon. C'est-à-dire qu'il est très, très agressif la nuit. Et une seule morsure, et ça vous endort complètement. Donc c'est vraiment un cancer pour Ark, ce dino-là. Donc on va essayer de le contourner. Alors en général, il n'est jamais seul. Donc prions le Seigneur pour qu'il soit tout seul. On va essayer de le contourner comme ça. Je pense pas qu'il m'a vu. Qu'il m'ait vu. Je pense que ma maison, elle est là en face. Si mes souvenirs sont bons. Là, je suis fatigué, donc il faut attendre que l'éclair remonte à fond. On voit pas bien le cosplay. Hein. J'essaye de montrer le cosplay en même temps que les dinos. On les voit, les dinos? On les voit pas bien, si? Ah, c'est pas le plus important. Alors, ma maison, elle est où? Ah, vous voyez, là, hop, encore un petit truc orange. Ça, ce sont les yeux des trodons. Donc là, encore, il y a un trodon là-bas. Bon, j'espère que je vais retrouver ma maison. Hein. Merde, là que je fais le map pour aller sur... comment dire? Sur GTA. Ouais, je crois que c'est là. Hein. On avait fait une maison en paille, en branchage.
Alors, est-ce qu'on a perdu notre Moshops? J'avais apprivoisé un Moshops. Ah, il y a un Moshops qui court là-bas, mais c'est pas le mien. Toujours pas ma maison en vue. On va essayer de pas passer à côté du Dilophosaure parce que sinon il va nous attaquer. On va le contourner. Là. Putain, merde. Je commence à me demander si c'est bien ici que je me suis installé. Moi et mon sens de l'orientation, ça fait deux. J'aurais juré que c'était ici pourtant. Non? C'est pas ici. Ah, putain. Ah mais merde hein! Comment je vais retrouver ma maison moi maintenant? Bon ben on va aller voir la rediffusion du premier épisode pour voir où ce que c'est. Au pire je me suicide et peut-être que je réapparaîtrai au bon endroit. On s'en compressait, eh ben voilà, ça c'est un peu mieux. Alors, on va commencer par le début. Donc, vous voyez sur votre droite, vous avez 2, 4, 6 icônes. Ok, c'est bon. On est là où est-ce que je voulais aller. Merde. Voilà. On démarre là. Coucou. On va voir qu'est-ce qui se passe Coucou, là. Ludo. Ouais. Allez, on y va, c'est parti. Voulez-vous écraser le personnage? Oui. Voilà. C'est parti pour une nouvelle aventure sur Ark. Donc je vais vous expliquer comment on joue à ce jeu, comment survivre surtout, en quoi consiste le jeu. Attends deux secondes Ludo, hein, parce que je voilà, sais... Donc vous êtes un aventurier. Voilà, c'est comme si on vous prenait, on vous lâche sur une map remplie de dinosaures, aussi bien gentils qu'aussi bien méchants. Attendez, je vais regarder là où il m'a mis. Ok, c'est bon. Comment survivre surtout, en quoi consiste le jeu. Voilà, donc vous êtes un aventurier. Voilà, c'est comme si on vous prenait, on vous lâche sur une map remplie de dinosaures, aussi bien gentils qu'aussi bien méchants. Attendez, je vais regarder là où il m'a mis. En arrière je pense. Et on voit pas bien hein. Ah là on voit mieux. Ah ouais c'est vachement plus en arrière. Ah oui je suis parti dans le mauvais sens. Bon hop, on rebrousse chemin. Au pire, je me suicide. Peut-être qu'il va me faire respawn où j'étais. Comment il va, Ludo, à part ça? Tu vas bien? Ça va, c'est pas trop sombre?
Je peux mettre un peu plus de clarté si vous voulez. Voilà, ça commence à devenir sombre. On va mettre gamma 3. Voilà, comme ça c'est bon. Bon, là j'essaye de retrouver ma maison en fait. Je suis parti du mauvais côté. Je sais qu'elle est au bord de plage, dans ces environs-ci. Allô ? Allô ? Pourrais-je parler à monsieur Leblanc ? Juste une fois. Ah bon ? Où ça ? Ouais, je vais mourir, c'est pas grave. Où ça ? Mais c'est fait exprès, c'est pour voir si t'allais le voir, poteau. Ah oui ! Pedro. Ben c'est pour voir si t'allais être attentif et si t'allais le voir. Perso. Voilà mon cieux. Merci mon cieux de me l'avoir fait remarquer, mon cieux. Bon du coup je suis où là maintenant? C'est ça le problème avec Ark, c'est qu'il te met jamais au même endroit. Bah on y est, non là. C'est là qu'on est, non? Bah on y est à peu près, hein, dans le renfoncement qui est là. Ah, pourtant je suis là. Elle doit être ici ma maison. Non? Oh, j'ai perdu ma maison. Chier. Note pour plus tard. Lancer le live une fois que t'es chez toi. Parce que là, tu es en train de perdre du temps et t'apprends rien aux joueurs. Et comme moi, il a le sens de réorientation, ça fait deux. Putain, j'ai pas d'énergie en plus. Va à côté du point. Quel point? Ah! Ça y est! On a retrouvé la maison. Ça me semblait bien qu'elle était là. Ah, mon Moshop, c'est toujours vivant. C'est bien ça. Voilà, donc pour ceux qui ne le savaient pas, moi je l'ai appris il y a quelques temps, le Moshop ne fait plus de fibres. Le Moshop fait du... des narcoberries et... Attends, je sais plus. Des narcoberries et quelques baies. Bah s'il fait de la fibre. Bah, pourquoi c'est pas écrit quand tu le ramasses alors? Bah, c'est se foutre de ma gueule. La fois passée, je le faisais, ça ramassait rien du tout. Bon, ben, ils n'ont pas nerfé le Moshops. Ah, bah, alors là. Désolé, je vous ai induit en erreur. Donc ça c'est notre maison. Hop. On va prendre ça. On va prendre ça. Et ça. Lui on va l'augmenter en dégâts pour qu'il ramasse plus. Voilà. Et alors le Moshop, vous pouvez le spécialiser en ramassage de
quelque chose de très rare. Donc, comme du polymère organique, du sang de sangsue, des champignons rares, des fleurs rares, de la viande de poisson supérieure ou de la viande de poisson supérieure. De la viande normale supérieure. Alors, nous, ce qui va nous intéresser, c'est ça. Pour récolter plus de viande supérieure pour pouvoir apprivoiser plus vite. Pourrais-je parler à monsieur Leblanc? Juste une fois. Oh, chut, désolé, je t'ai tapé. Le mot de passe. Je te l'ai envoyé sur Messenger, le mot de passe. Bon, du coup. Bon, là, vous voyez que je peux prendre 8 points. Comme je vous ai dit, je ne vais pas prendre mes points. On va jouer piano piano. On va découvrir chaque chose à notre aise. Donc là, on va prendre un point supérieur, étant donné que je vous ai montré tout ce qu'il y avait là. Ah non, le sac de couchage, je ne voulais pas montrer. D'ailleurs, ça m'aurait bien servi un sac de couchage. Alors, il me faut de la peau. Donc, il faut que je tue quelque chose pour avoir de la peau. Ouais, bon. Tuer quelque chose à poil, ça va pas le faire. Alors, normalement, je m'étais fait un petit stuff. Ah non. Ah non, je suis mort, carrément. Je jurais que je m'étais déstuffé pourtant. Bon, enfin, c'est pas grave. Ça se refait vite. Ne vous inquiétez pas. Des fibres, on en a. Hop. On tape dans le bois. On fait sa pioche. On fait sa hache. Voilà. Hop. Tac. Ah, il faut du branchage. Voilà. Là, il faut quoi? Du bois. Hop. Voilà, donc je vous ai bien expliqué l'utilisation de la hache et la pioche. Dans le premier épisode. Donc pensez à aller le regarder. On se fait de quoi se défendre. Hop, voilà, on a mis des lances. Pendant qu'on craft, on sait pas courir, hein. N'oubliez pas ça, hein. Donc évitez de crafter à côté d'un ennemi. Parce que vous pourrez pas prendre la poudre d'escampette, comme on dit. Alors espérons ne pas tomber sur un dino agressif. Comme un raptor ou un carnot ou quelque chose comme ça, parce que là, autant dire que vous êtes mort. Je vais baisser un peu les gamins parce que c'est un peu trop. Évidemment, quand on veut un 2-2, il n'y en a pas. Une tortue, mais ça c'est un peu compliqué à tuer au début. Oh, qu'est-ce qu'on disait? Un raptor. Alors lui, s'il vous voit, vous êtes mort, hein. Faut même pas espérer survivre, c'est fini, vous êtes mort. Ah, ben, y a un collègue à lui, donc ils sont deux.
qu'il y a un parasaur là-bas. Non, ça ne sert à rien d'aller par là, je vais mourir. Ah, avec un peu de chance, est-ce que la tortue va tuer le raptor? Ça nous ferait de la peau gratuitement. J'ai un doute. Il a l'air assez élevé. Allez, la tortue, tu peux le faire! À la tortue. Je joue avec le feu, hein, parce que... Oh merde! Un trou d'eau! Putain, il m'a vu! Dégage! Il a mon cul! Il a mon cul! Je crois que j'ai semé, non? Ouais. On va faire quelques lances. Ah! Il est là! Je dis encore bien de ne pas crafter pendant qu'on est poursuivi par un ennemi et... Salut Bac, merci pour ton follow. Merci pour ton follow. Qu'est-ce qu'on dit quand on a un nouveau follower? Il est content. Merci, merci. Voilà. On va essayer de pas aller où il y a le trodon, hein. Ça serait bête. Merci pour les deux follow. Salut Chicha. Je suis level combien? Ben, en fait, si tu veux... J'ai recommencé une aventure à zéro pour faire un tutoriel pour les gens qui connaissent pas le jeu. Sinon, j'ai je ne sais combien de persos, j'ai déjà recommencé je ne sais combien de fois. Tu sais, je joue à ce jeu depuis sa sortie, donc depuis presque 6 ans maintenant. J'ai eu jusqu'à 12 serveurs, une centaine de membres dans ma team. Et là, je suis parti sur un petit côté solo pour apprendre aux gens qui connaissent pas le jeu, leur faire découvrir. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. Merci pour le follow. Si vous voulez venir jouer, vous êtes les bienvenus. Il est content. Merci pour le follow. Alors, il faudrait essayer de retrouver... Encore ? Là, ça n'arrête pas. Merci, les gars. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qui... Merci pour les follow les gars. Un grand merci. Donc là il nous faut de la peau. Allô, allô. Ah attends, j'aime pas ces bestioles. Je déteste ces bestioles. Ah merde. Bon, on va mourir. Il est content. Là je suis moins content là. Ah mais là je suis moins content. Là tu peux mettre un rip hein, si tu veux.
Mais what? Il se passe quoi? Merci pour les follow les gars, un grand merci à tous, un grand merci. Ça va, vous aimez bien le concept? Donc c'est un tutoriel, hein, c'est pour expliquer aux gens qui ne savent pas jouer, comment jouer, j'explique chaque point, chaque craft, j'explique comment survivre. Alors vous voyez, donc ça c'est mon corps, c'est mon stuff. Alors il faut savoir un truc, c'est que au tout début du jeu, quand le jeu est sorti, on n'avait pas ce faisceau vert. Et on n'avait pas l'emplacement de la map. Vous voyez, vous aviez votre map, vous aviez même pas la flèche bleue où vous étiez. Ah, un Carnot. Bon ben je vais mourir. Quand je... Ah putain. C'est ça, fais-toi les dents là-dessus et fous-moi la paix. Un petit bain pour le chef, 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 un petit bain pour le chef. Voilà, un petit bain pour le chef. Et la suite. Bain 2. Qu'est-ce que vous nagez bien, chef? Oh là. Frotte balle. T'es tendu comme une crampe. Mais non, je suis pas tendu. Si t'es tendu. Bah non. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. C'est pas entendu, je suis pas tendu. Je te dis que t'es tendu. Ah putain, Raptor. On va mourir. Bienvenue sur Ark. Quand te reverrai-je ? Bienvenue sur Ark. Pays merveilleux. Putain. Où ceux qui s'aiment vivent à deux. Quand te reverrai-je ? Attention les oreilles, pays ça va piquer. Pays merveilleux. Ah ! Oh les oreilles, putain. Pour ceux qui se demandent... comment avoir les commandes vocales, vous avez deux possibilités. Soit vous prenez un sub à la chaîne, ou alors soit vous participez à des jeux comme ceci, vous gagnez de la monnaie virtuelle, et alors vous allez vous rendre sur la boutique de la chaîne que je vais vous montrer, que je vais ouvrir, et là vous pourrez acheter vos commandes vocales. Enfin, quand je dis acheter, ça va lancer la commande vocale. Donc vous participez à des jeux comme ceci. Donc, d'abord, j'annonce le jeu. Après, je le lance. Donc là, vous devez trouver un chiffre entre 1 et 30. Celui qui trouve le chiffre, il récupère 5000 UPST Gold. Et avec ces UPST Gold, il va se rendre ici. Il va se rendre ici. Voilà, j'ouvre la boutique. Et avec vos UPST Gold, vous allez pouvoir échanger vos UPST Gold contre une commande vocale. Vous voyez, c'est 5000 UPST Gold. Donc celui qui trouve le bon chiffre, maintenant, il aura 5000 UPST Gold et il pourra choisir une commande vocale de son choix et la lancer. Alors ce sont tous des répliques de films. J'ai essayé de trouver des trucs comiques pour que vous interagissiez avec moi selon le jeu, selon l'action. Et ça marche plutôt bien, quoi. Vous voyez un petit exemple, si je joue à GTA ou si je joue à Forza et que ma bagnole elle est morte et qu'elle n'avance plus, vous allez mettre un petit truc comme ça. Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Scofield, tu peux continuer à mettre des chiffres, hein. Tant que le chiffre n'a pas été trouvé, comment ? Thank you.
je disais, tant que le chiffre n'a pas été trouvé, vous pouvez enchaîner les chiffres pour trouver le bon. Si vous voulez, je vais mettre un peu de piment. Je vais jouer avec vous. Non, entre 1 et 30, tu me mets 55. Mais non, pas 69. Entre 1 et 30. Tout de suite 69 en plus. Hein. Bon, là, je vais essayer d'aller rechercher mon... Ah, il est derrière moi. Je vais remourir. On va essayer de l'emmener dans l'eau comme ça. Allez, va me tuer dans l'eau comme ça, tu me fous la paix. Ah, ils sont deux en plus. Oh, il est beau. Allez, mais tue-moi, qu'est-ce qu'il fait? C'est qui, 02? Allez, viens me tuer. Voilà, c'est fait. Je sais pas où j'étais foutre ma massue. D'habitude, quand je mets le capitaine caverne, je fais avec ma massue. Bon, ben, ça, c'est le plus compliqué sur Ark, hein, c'est d'aller récupérer votre stuff. Là, c'est... Ouais, ouais. Quand je vous dis qu'il faut des nerfs d'acier pour jouer à ce jeu-là, il en faut vraiment. Mais j'ai trouvé un jeu encore plus énervant. Elden Ring. J'adore Elden Ring. Mais quand vous perdez vos runes, oh mon dieu, vous avez qu'une envie, c'est de péter la télé. En fait, je vous explique. Elden Ring, vous voyez, il y a trois faisceaux verts. Donc c'est-à-dire que tous mes stuff, ils restent. Mais sur Elden Ring, vous avez une seule chance d'aller récupérer votre stuff. C'est-à-dire que dès que vous mourrez, c'est un nouveau stuff qui apparaît. Donc si, admettons, vous aviez 40 000 runes, que vous voulez aller chercher vos runes et que vous mourrez sur le trajet, vos 40 000 runes, whoop, elles sont parties. Et il vous restera les 0 runes que vous aviez au moment de mourir. Alors je vous promets, les gars, quand vous perdez 40 000 runes ou 30 000 runes tous les 20 minutes, waouh. Mais Elden Ring, pour moi, c'est le GOTY de l'année, hein. Vous allez me dire, on est qu'au début, pourquoi tu dis ça? Oh putain, ils vont pas me lâcher les raptors. Faut vraiment que je les éloigne. Allez hop, tuez-moi encore une fois. Donc là, le principe, c'est de éloigner les raptors de mon stuff pour aller rechercher mon stuff. Bon, pourtant, il n'y a pas grand-chose dedans. Hein. Il y a qu'un petit stuff en pierre. Là, ça se fait très très vite. Hein. Oh putain, il m'a mis où maintenant? Ouais, ouais. Putain, il m'a mis où maintenant? Ah, là-bas. Ok, là-bas. Le chiffre n'a pas été trouvé, tu peux continuer à en mettre, hein? David. Tant que le chiffre n'a pas été trouvé, vous pouvez continuer à mettre des chiffres. Et alors tu récupéreras de la monnaie virtuelle avec laquelle tu vas pouvoir lancer une commande. Alors là, vous vous dites, mais pourquoi il ne monte pas ses niveaux? Vous voyez, j'ai 9 niveaux à prendre. Mais comme je fais un tutoriel où j'explique chaque craft, j'ai décidé de ne pas passer mes niveaux pour ne pas spoiler le truc. Il est sérieux, lui? Comment il ose venir me parler? Alors, je vous explique. Le mec qui vient de me parler, c'était un gars que j'avais dans ma team. On avait organisé un event, on avait construit des forts et tout. Pendant la nuit, il a été mettre du C4. Au moment de l'event, il a tout fait péter. Du coup, je l'ai banni. Et là, il me demande pour revenir.
Il a du culot, lui. Il est sérieux? Pas content. C'est bien, ouais. C'est bien que tu utilises les commandes vocales, Ludo. Faites-vous plaisir. Autant sur GTA, je demande qu'on les utilise pas parce que ça, on fait du RP, donc on va encore mourir. Oh putain, ils vont pas me lâcher. Hein. Allez, hop, tuez-moi. Bon là vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que ce jeu de merde, le mec il arrête pas de mourir. C'est un jeu de survie les gars. Un pur jeu de survie. Le problème c'est que tant qu'il y a les raptors... Monsieur Leblanc, juste une fois. Bah ouais. Tant que les raptors sont là. C'est pour ça que j'essaye de les éloigner le plus possible. Là, le tutoriel, il est nul, quoi. On n'apprend rien du tout, je fais crever. Mais bon, ça fait partie du jeu. Hein. C'est ça, Arc. Hein. On l'aime ou on l'aime pas. Tiens, on a eu un pic à 10 spectres, t'as vu? Allô? Allô? Pourrais-je parler à monsieur Leblanc juste une fois? Ouais. En fait, là, je suis en train de dégoûter les gens du jeu, en fait. Là, les gens, ils se disent, mais c'est quoi ce jeu de merde? Le mec, il meurt 30 fois. C'est ça, Arc. Mais croyez-moi que quand vous avez connu Elden Ring et que vous perdez vos runes, ça vous fait rien d'aller chercher votre stuff 30 fois. Parce qu'ici, votre stuff, il est là et il vous attend. Mais je vous promets, sur Elden Ring, quand vous perdez vos runes, parce que des runes, vous les avez pas en un quart d'heure. Hein, c'est des heures de jeu, hein. En fait, au plus les boss, vous les tuez, au plus hard ils sont, au plus vous avez des runes, en fait. Donc, il faut tuer plein de monstres, plein de mobs. Et après, ben, voilà, d'une seconde, boum, a pu. Voilà, je suis vraiment mal barré. Hein. J'ai des troodons, j'ai des raptors. J'ai un autre troodon qui est là. Putain, comment je vais faire? Bon, mon stuff, de toute façon, il n'y a rien d'important dedans. On s'en fout. On va pas aller le récupérer. On va essayer de longer les murs. Et retourner à la maison. Oh, ben putain, ils sont là. Oh, il m'a vu, hein. Oh, mais c'est pas possible! On va y arriver. Hein. Un petit coup de crunch, ça va nous donner des forces. Il m'a mis où là? De la chance. J'ai récupéré mon stuff.
Par contre, ma maison, je sais pas où elle est. Et il y a un Carnot qui est pas loin. Et un Carnot, c'est encore pire que les Raptors. Dès que j'ai les bolas, je les tue. Mais bon, je peux pas. Et j'ai 9 niveaux à prendre. C'est frustrant, hein. Mourir alors que tu peux très bien les tuer quand tu veux. Mais voilà, je suis parti sur ce principe-là. Et je resterai sur ce principe-là. Tant que j'ai pas crafté chaque chose et vous expliquer chaque chose, je passerai pas mon niveau. Là, il faut que je retrouve ma baraque, hein. Putain. Vivement que j'ai un lit. C'est moi ou c'est en arrière? Je sais plus où c'est. Non, c'est plus par là, non? Allô? Allô? Pourrais-je parler à monsieur Leblanc juste une fois? Salut, poteau. Bah écoute, ça va, hein, je suis sur Arc. Je fais une série tutoriel. Je suis en train de galérer, là. Tu vois, tous les faisceaux verts, c'est le nombre de fois que je suis mort. Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai récupéré mon stuff. La mauvaise, c'est que je sais plus où est ma maison. Et tant que j'ai pas mis un sac de couchage, je passe pas mon niveau. Ah, mais je peux le faire, le sac de couchage. Non, j'ai de la peau. Non, j'ai pas de peau. Ah, si, j'ai de la peau. Ah, ben voilà. Ah, ben non, il manque de la peau. 3 peaux. Oh, putain. Tu connais Arc, Aprio? Tu connais pas Arc? Salut, tueur de bison. Tu connais pas Arc? Sérieux? C'est un jeu de survie, poteau. C'est mon jeu de cœur. Ça fait 6 ans que je suis dessus. J'ai ma propre team, j'ai mes propres serveurs. Là, je suis sur nos propres serveurs. C'est un jeu de survie. T'apparais à poil sur une île déserte. Tu vas commencer à l'âge de pierre. Et au fur et à mesure, tu vas crafter des choses pour survivre, pour faire cuire de la viande et tout ça. C'est un super jeu. C'est un super jeu, crois-moi. Mais il faut des nerfs d'acier. Hein. Comme tu viens de voir, là, tu vois, je suis en train de mourir depuis un quart d'heure. Pourquoi? Ben parce que j'ai des raptors qui sont juste là. Mais ça fait partie du jeu, quoi. Et s'il me voit, il va venir me tuer encore, hein. J'essaye de retrouver ma maison, mais je sais plus où je l'ai foutu. C'était par là, non? Ludo, toi qui as un meilleur sens de l'orientation, où elle est ma maison? Je sais plus où elle est ma maison. Ah, elle est là. C'est bon, j'ai retrouvé. C'est bon, c'est bon. Alors... On va pouvoir avancer. Pourrais-je parler à monsieur Leblanc juste une fois? A priori, tu l'as sur quelle version, Arc? Dis-moi pas sur Steam, s'il te plaît. Ah, c'est bon, on a retrouvé la maison. On va pouvoir passer aux choses sérieuses. Il faut que je tue un dodo pour avoir de la peau ou quelque chose comme ça. Allô? Allô? Pourrais-je parler à monsieur Leblanc juste une fois? David, il est encore en train d'essayer de trouver le chiffre. Ah, merde. Si tu prends la version Game Pass, tu peux jouer avec moi si tu veux, a priori. Mais il faut la version Game Pass. La version Windows 10. Parce qu'en fait, si tu veux, ma team, je l'ai créée sur des serveurs Xbox. Et c'est seulement après que je suis passé sur PC. Donc ce sont des serveurs compatibles Xbox et Windows, donc et PC. Donc si tu veux jouer avec moi, ben prends un Game Pass ou alors achète le jeu sur Windows 10. Il n'est pas très cher. Là, il faut vraiment que je trouve... J'ai peur de retomber sur les raptors. T'as vu? Tous les faisceaux verts, c'est le nombre de fois que je suis mort.
C'est le nombre de fois que j'ai essayé de récupérer mon stuff. Si t'as pas le Game Pass, non. Tu peux pas. Salut Megadam. Bienvenue à toi. Tu sais c'est quoi le Game Pass? A priori, ou pas? Ou tu veux que je te montre? Si tu connais pas, tu vas tomber sur le cul. Ah putain. Ah, un dodo, enfin. On va enfin pouvoir se faire la viande, la peau qui nous manquait. Et on va pouvoir passer au niveau suivant. Mais... Tu connais pas le Game Pass? T'es sérieux? Je vais te montrer. Salut, Megadam. Bah ouais, ça va, on fait aller, quoi, comme d'habitude. Je souffre, mais bon, je vais pas vous ennuyer avec ma vie privée non plus. Ceux qui me connaissent, ils savent de quoi je parle. Ma vie n'est qu'une souffrance H24, voilà. C'est tout ce que je peux dire. Et mon antidépresseur, c'est ma chaîne, c'est le RP, c'est vous, c'est ma communauté. Alors, attends, je vais me mettre à l'abri, je vais te montrer c'est quoi le Game Pass, et tu vas tomber sur le cul. Alors, le Game Pass, c'est quoi? C'est un abonnement que tu vas payer par mois, qui coûte pas très cher. Ça coûte 10 euros par mois pour PC. Et tu vas avoir entre 100 et 150 jeux possibles d'installer sur ton PC. Tu installes et tu joues. Et on parle pas de petits jeux, hein. On parle de ça, hein. Among Us, tous les Battlefield. Parce que y a la licence EA qui a été comprise dans le Game Pass. T'as tous les Halo, t'as tous les Crysis, les Need for Speed, les Dead Space, Dishonored, les Doom, les FIFA, les Fallout, Forza Horizon 5, même pas besoin de payer. Tu le prends, tu l'installes. Merci pour l'abonnement. Merci pour l'abonnement, un grand merci. Je continue. Les Gears of War, Grounded, tous les Halo, Hellblade, tout ça, ce sont des jeux qui sont dans le Game Pass. Need for Speed. Et je te montre un truc. Ah oui, je t'ai pas tout dit en plus, hein. Tous les jeux Day One qui sortent sur Xbox. Parce que tu sais, Microsoft a racheté Bethesda. Microsoft a plus de 30 studios pour créer des jeux. Ah ben, tous les jeux qui sortent de ces studios-là sont inclus dans le Game Pass le jour même, gratos. Donc c'est-à-dire que tu prends ton Game Pass et tu joues à ce que tu veux, quand tu veux. Tous les Quake, Rage, genre, je t'en dis, je descends, hein. Ça c'est tous des jeux. C'est tous des jeux, hein. Et t'as juste à cliquer sur installer, tu l'installes et tu joues. Voilà, c'est quoi le Game Pass. Pour 10 euros par mois. C'est un truc de malade. Regarde un exemple. Tiens, j'ai envie d'essayer Need for Speed. Ah bah tiens, voilà, je l'installe. C'est pas ouf ça, franchement. Tous les Battlefield, enfin, c'est un truc de malade le Game Pass. Je comprends pas les gens qui ne le mettent pas. Bon, maintenant il faut être un joueur, un gros joueur, hein. Parce que si c'est pour jouer à un jeu de temps en temps, voilà. Maintenant, si t'es un nostalgique comme moi et que tu veux jouer à Dragon Ball, regarde Dragon Ball Fighter Z, tu veux jouer, hop, tu l'installes. Et en plus, il n'y a pas que ça, il y a le cloud aussi, le cloud gaming. Donc maintenant, le cloud gaming, c'est quoi? C'est encore pire que ça. Tu dois même pas installer le jeu. Tu dois même pas installer le jeu. Le cloud gaming, regarde, c'est ça le cloud. Voilà. Tu veux jouer? Tu cliques, tu joues. Tu dois même pas installer le jeu.
Mais il faut une putain de connexion pour savoir jouer. Regarde, tu veux jouer à Mortal Kombat? Allez, c'est parti, on joue. Tu veux jouer à Forza Horizon 5? Allez hop, on joue. Truc de ouf, hein. Voilà, c'est quoi le Game Pass. Putain, je l'ai déjà dit, je devrais me faire engager par Microsoft. Et donc, si tu mets le Game Pass, tu peux jouer avec moi sur mon serveur. C'est quand que je fais un tournoi? Bah écoute, pour l'instant, je sais pas si t'as vu, je suis assez en retrait. Pourquoi? Bah parce que je suis à fond sur GTA, RP. J'ai acheté la PS5, donc j'ai acheté plein de jeux. J'ai Gran Turismo 7 à faire, j'ai Elden Ring, j'ai le jeu de catch. J'ai... Je suis blindé en jeu, blindé. En fait, j'ai acheté la PS5, pourquoi? Bah parce qu'il n'y avait plus de sortie sur Xbox. Et on m'a toujours dit qu'il y avait des best-sellers à faire sur PlayStation. Et c'est pour ça que j'ai acheté la PS5. Alors, j'ai fait Last of Us 1, une tuerie. God of War, une tuerie. Uncharted 4, une tuerie. La DualSense, c'est une tuerie. Voilà, pour moi, la PS5, c'est la console révolutionnaire de cette décennie. Vraiment. Il faut l'avoir testée pour pouvoir l'adorer. Bon, allez, maintenant, je vais arrêter de parler de tout ça, parce que le but du jeu, c'est quand même de vous apprendre à jouer. Donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Petit point d'exclamation coucou, petit point d'exclamation allô. Les abonnements, faites-vous plaisir. Hein. Les commandes vocales, elles sont là pour vous amuser. Voilà, toutes les commandes, elles sont ici. Pour ceux qui n'ont pas l'abonnement, vous allez sur la boutique qui est ici. Et alors, ben, comme je parle de trop, je vais me mettre moi-même la commande virtuelle préférée de la chaîne. C'est celle-ci. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait des vacances. Voilà, bienvenue sur ma chaîne. J'ai beaucoup de choses à dire hein, sur ma chaîne. Hein. Parce que vous me voyez en cosplay, là. Vous me voyez en homme de Cro-Magnon. Il faut savoir un truc, c'est que... Des cosplays, j'en ai plein. Ils sont là-bas derrière. Et j'ai fait des vidéos avec tous mes cosplays. Que vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube. En flic, en femme, en Miss Monde. En homme de Cro-Magnon. En Freddy Krueger. Je vais juste vous montrer vite fait. Je mixe aussi, si vous aimez bien. Coucou. Coucou, mon fils. Je mixe aussi, si jamais vous êtes quelqu'un qui aime bien la musique virtuelle, la musique électronique. Je mixe. Avec mes platines, avec des jeux de lumière, comme ceci. Vous voyez ? Je fais beaucoup de choses, hein. Voilà, donc comme je vous disais, je mets des cosplays. Miss Monde. Je suis très émue d'avoir gagné ce temps. Voilà, ça c'est tout ça sur ma chaîne YouTube, vous pouvez aller la regarder. Il y a des fails sur GTA aussi, il y en a plein. Comme ceci. Vous voyez, là j'étais déguisé en flic. Salut frérot. Voilà, j'étais déguisé en flic parce que je faisais un RP flic. Et comme il m'arrive que des couilles. Oh bah... merde! Oh putain! Oh merde! Oh putain! Oh merde! Oh merde! Oh putain! Voilà le genre de choses que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube. Apprêtez vos abdos parce que je vous promets, vous allez rigoler. Bon, allez, ce coup-ci, j'arrête de parler et je vous apprends à jouer. On va faire le sac de couchage. Voilà, on a fait notre sac de couchage. Et je vais vous expliquer à quoi consiste le sac de couchage. Alors, le sac de couchage, c'est justement... Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait des vacances. Ah non, ça c'est pas gentil ça, je suis en train de faire un tutoriel. Comment veux-tu que je joue, que je fasse un tutoriel sans parler? C'est pas possible.
Donc, le sac de couchage, eh ben, il nous aurait servi beaucoup. Parce que, vous voyez le temps que j'ai perdu pour aller rechercher mon stuff. Le temps que j'ai perdu pour retrouver ma cabane. Eh ben, vous placez un sac de couchage à l'endroit où vous voulez. Allô, pourrais-je parler à monsieur Leblanc juste une fois? Ben, Ludo est dessus. Ludo est revenu. Si ça vous donne envie de revenir, ben revenez les gars. Moi, les serveurs, ils sont là pour ça. Hein. On a 6 serveurs et ils sont tous vides. Venez, amusez-vous. Voilà. Donc là, je vais vous faire une expérience. Vous montrer à quoi sert le sac de couchage. Donc, je vais me déstuffer. Donc, je vais enlever tout le stuff que j'ai sur moi. Voilà. Je vais mettre tout ça dans mon animal. Voilà. Et je vais mourir. On va aller se noyer. Voilà, comme ça, on va aller se noyer. Alors, ce jeu, il est magnifique parce que il y a plus d'une centaine de dinos à apprivoiser. Autant aquatiques, autant terrestres, que autant volants. Vous allez chevaucher des dragons, vous allez chevaucher des pteranodons. Vous allez pouvoir parcourir la map comme vous voulez, sans aucun chargement. Ce jeu, c'est... Un petit bain pour le chef, 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 un petit bain pour le chef. Qu'est-ce que vous nagez bien, chef? Oh là! Voilà, donc, dès que je vais mourir, vous allez voir que mon sac de couchage, il va apparaître sur la map. Vous aurez juste à le sélectionner et vous allez pouvoir apparaître dessus. Regardez. Vous voyez? Vous vous rappelez tantôt quand on mourait, on apparaissait n'importe où sur la map et ça prenait du temps de retrouver votre maison, de retrouver votre stuff. Ah ben regardez ici comme c'est simple. Vous apparaissez sur le sac de couchage et hop! Évitez les rips les gars s'il vous plaît. Les gars, je sais que les commandes, elles sont là pour ce genre d'action. Mais quand je me tue moi-même, ne mettez pas un rip, ça sert à rien, quoi. Mais oui, mais Val, c'est moi qui me suicide. Parce que je suis en train d'expliquer le jeu, tu vois. Si à chaque fois vous mettez des rips ou des fails, ben je dois me taire, tu comprends? Voilà. Donc vous avez vu, j'ai apparu sur mon sac de couchage et je suis à l'endroit où je voulais. Par contre, attention, le sac de couchage, il sert qu'une seule fois. Donc, c'est-à-dire que vous devez en créer plusieurs et en placer plusieurs. Mais, après, vous allez voir qu'on va débloquer le lit ordinaire. Et le lit, vous allez le mettre dans votre maison. Et le lit ne va jamais se détruire. Donc, vous pourrez apparaître tout le temps sur votre lit. Vous allez tout le temps apparaître dans votre maison. OK? Alors, ici, on passe à un niveau suivant. On va mettre de la vitesse. Non. Qu'est-ce qu'on met? On met du poids? Non, on va mettre de la vitesse. Voilà, donc là, j'ai pris un point en vitesse. Bon, là, vous voyez, j'ai encore 8 points à prendre. Mais vous allez me dire, mais pourquoi tu les mets pas? Mais tout simplement parce que je fais une série tutorielle. Donc, c'est-à-dire que je vais débloquer de nouvelles choses. Et je vais vous les crafter pour vous montrer comment les crafter et à quoi elles servent. Bon, maintenant, je vais pas tout crafter non plus, parce qu'il y a des choses qui sont pas intéressantes. Alors là, on a débloqué quoi? On a débloqué une pancarte. C'est un petit truc décoratif que vous allez pouvoir mettre sur votre maison avec le nom de votre tribu ou quoi que ce soit. On a débloqué un lance-pierre. Un lance-pierre, ça va être le premier truc pour endormir un dino. Alors, c'est très très long, parce qu'un lance-pierre pour endormir un dino, c'est super long. D'accord. Alors ça c'est une selle de Fiomia, donc c'est un dino qui va nous servir plus tard, qu'on apprivoisera plus tard. Du sel, c'est pour éviter que la viande elle pourrisse trop vite.
Salut Bourrichon. Ça va et toi? Ça fait plaisir de vous voir les gars, waouh. Ça fait vraiment plaisir, je vois plein de gens qui a longtemps qui étaient venus. Et ça fait vraiment plaisir. Ben je fais quoi de beau? Ben, attends, tu parles à qui? Ah, tu parles, ok, d'accord. Alors ça c'est de l'argile. Parce que plus tard on va pouvoir faire des maisons en argile. Et ça ce sont des pignons. Donc c'est-à-dire que, vous avez vu, j'ai fait le choix de faire une maison en cube. Hein, c'est pas très joli. Mais vous pouvez très bien faire des maisons pointues avec des toits pointus. C'est beaucoup plus joli. Mais étant donné que c'est un tutoriel, je me suis pas cassé le cul à faire une belle maison. Je me suis j'ai juste fait une maison en cube pour vous montrer comment on pouvait construire. Alors ensuite, on peut passer au niveau suivant. Parce que là, on n'a rien d'intéressant à crafter. On va passer au niveau suivant. Voilà. Et on va mettre un petit peu de stamina. Donc de l'énergie. Et on va aller voir qu'est-ce qu'on a débloqué. Alors, on a débloqué quoi? On a débloqué le mortier pilon. Le mortier pilon, c'est un pot dans lequel vous allez pouvoir fabriquer des mélanges, dont des narcotiques. Les narcotiques, c'est ça. C'est ce qu'il y a là. Et les narcotiques, c'est ce qu'il y a de plus important sur Ark. Putain de merde! Alors là, je viens de me faire tuer par un raptor. J'ai pas mis de sac de couchage. Je vais apparaître je sais pas où. Le raptor, il va être attiré par Momo Shops qui est dans ma maison. Il est en train de tuer Momo Shops, sûr et certain. Comme c'est une maison en chaume, il est en train de détruire ma maison, sûr et certain. Vive Ark. J'aurais dû mettre plusieurs sacs de couchage. En plus, je vous le dis et je le fais pas. Ah, il va être long le tutoriel aujourd'hui. Hein. Je suis mort je sais pas combien de fois. Je retrouve plus ma maison parce que j'ai pas de sens de l'orientation. Ah, je crois que c'est là-bas, non? C'est là? C'est par là, je crois qu'elle est ma maison, non? Oh, je sais plus. Je suis vraiment un noob. Putain. Le chiffre n'a pas été trouvé encore. Hein. Entre 1 et 30, les gars. Ah ben, ma maison, elle est là. Putain, j'allais parcourir toute la truc en arrière alors qu'elle était là. Bon, on a un peu de chance. On dirait qu'il s'attaque pas à la maison. Il a pas vu le Moshops, le raptor. Il est où? Il est où? Ah! Il est là-bas! Putain, mais lâche-moi, bordel! Je vais essayer d'éloigner parce que sinon j'arriverai pas à jouer. Allez, viens me bouffer et fous-moi la paix. Fous mon cœur. Ça va? Oui. Ça a été à l'école? Oui. Et t'es sage? Oui. T'as bien travaillé? Oui. Ouais, tu dis oui à tout, quoi. T'es un enfant modèle, quoi. T'as repris Ark? Bah oui, tu l'as vu hier en plus. Tu peux me donner un coca? Hier, dans... j'étais pas là. Hein. De quoi? Je t'ai pas vu hier. Tu m'as pas vu hier? Comment? Bah oui, tu jouais à JDRP. Quand j'étais. Oh, mais c'est pas possible! Qu'est-ce qu'il y a? On va se faire spawn kill. Zen. Zen, zen, zen. Là, c'est le moment de mettre un petit tendu, là, les gars. Hein. Vraiment. Merci, mon cœur. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, mon cœur. T'es tendu comme une crampe. Mais non, je suis pas tendu. Si t'es tendu. Bah non. Si je te dis que t'es tendu. C'est pas entendu, je suis pas tendu. Je te dis que t'es tendu, là. Ouais, je suis tendu! Là, ça commence vraiment à m'énerver.
C'est des malades. C'est des malades. Bon. Où est-ce que je suis? Ah merde, il m'a mis qu'un... Alors, tous les faisceaux verts, c'est le nombre de fois que je suis mort, hein. Pour info. Alors, quand je vous dis que vous avez intérêt à avoir des nerfs d'acier pour jouer à ce jeu-là, je vous mens pas. Mais c'est de ma faute, hein. C'est parce que j'ai pas mis de sac de couchage. Je vais trop vite, en fait. Je joue n'importe comment parce que... J'ai envie de vous expliquer au mieux le jeu et de vous donner envie de nous rejoindre, en fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Point d'exclamation coucou, point d'exclamation allô. Ce sont des commandes vocales qui sont accessibles pour tout le monde. Il ne faut pas être abonné pour les utiliser. Allô. Voilà, comme ça. Allô. Pourrais-je parler à monsieur Leblanc juste une fois? Oui, mon fils, il joue à Fortnite, oui. Mes fils. D'ailleurs, mon fils, là, le petit que vous avez vu, là... Lorenzo, il est impressionnant. Hein. Je l'ai vu jouer à Rainbow Six. Il est premier de presque toutes les games. Il a 10 ans. Hein. C'est impressionnant comment il joue. Il vaigne de ses vitesses. Et Fortnite, c'est le même. Hein. Il est balèze. Hein. Valentino aussi, il joue bien. Mais Lorenzo, honnêtement, il m'a bluffé. Quand je l'ai vu jouer à Rainbow Six, full team, le gars. Full team. Bon, vous me laissez jouer, oui ou non? Bon, il est là-bas. Allez, hop. On va pouvoir jouer un peu tranquille maintenant. Donc là, je vais récupérer mon stuff. En plus, la blague, c'est que j'en avais fait un deuxième de sac de couchage. Et je l'ai pas mis. Lol. On va faire chauffer de la viande pour se nourrir. Coucou, mon fils. Ouais. Ça va? Ennuyant aujourd'hui encore. À l'école? Ouais. Ouais, comme d'hab. Ouais. Bon, alors ensuite. Ah oui, j'étais occupé de vous expliquer cette ligne-ci. Donc ça, c'est un mortier pilon dans lequel on va faire de la poudre d'étincelle et des narcotiques. Ça, c'est un filet de pêche pour attraper des poissons. Et ça, c'est un kit de sang pour se prélever du sang. Pour ça, quand vous vous faites toucher, vous remangez du sang et votre vie monte un petit peu. Personnellement, je les utilise jamais. Voilà. Alors, on va passer à un niveau suivant. On va toujours mettre de la vitesse. Pour moi, c'est ça qui vous sauve le cul sur Arc, c'est la vitesse. Bisous. Ça va? Ouais, non! Mais... je m'en veux, hein! Encore en avance sur tout le monde, ça fait que j'ai rien à faire. Si je le tue, mais ça m'étonnerait. Ah, ah, j'ai pas mis le sac de couchage en plus. On va... Ça va aller. Bon, où est-ce qu'elle est ma maison? Je vais péter un plomb. Putain, toi, dès que j'ai les bolas, mon ami, je te tue. Dès que j'ai les bolas, je te tue. Bon, du coup, on va passer à un niveau suivant. Ah, les bolas, c'est niveau 9. Vous allez voir, dès qu'on a les bolas, il va moins faire le malin. Tu t'arrives déjà à revoir ton stuff aussi. Alors, on va mettre un peu de vie, là, parce que là, on manque cruellement de vie, hein. Et on va passer au craft suivant. Bon, allez, bon live. Merci, mon cœur. Alors, ici, on débloque la massue. C'est une deuxième façon d'endormir les dinos pour les apprivoiser.
On va débloquer des drapeaux pour mettre un drapeau sur votre base pour faire plus joli. On va débloquer la marmite suspendue pour faire des... Il joue à quoi, le tueur de bison? À arc? J'ai des choses à vous montrer, mais vous êtes même pas prêts, en fait. Vous êtes même pas prêts. Salut, Loïc! Vous voulez que je vous montre 2-3 trucs? Non! Mais putain, tu vas me lâcher, bordel de merde! Il veut vraiment pas que j'explique, hein! Toi, je vais t'amener le plus loin possible, comme ça tu vas me foutre la paix. Heureusement que j'ai monté ma vitesse, comme ça il me tue pas. Allez hop, cours après moi. Je vais t'emmener à l'autre bout de la map. Cours, Forest! C-O-U-R, les gars. Point d'exclamation, C-O-U-R. Voilà, là, j'ai emmené bien loin. Hein. Allez, ils sont deux, là. Ah, mais bah, hop, il y a le couple. Voilà, là, normalement, on devrait être tranquille. Hop, on respawn. Eh, regardez mon log de tribu, les gars. Regardez mon log de tribu. Le nombre de fois que je suis mort aujourd'hui. On va y arriver. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. Ma maison, elle est où? Elle est là-bas, ok. On va se mettre ici, hop, voilà. Alors, tueur de bison, je vais te montrer, regarde. Parce qu'avec arc et de l'imagination, tu peux faire beaucoup de choses. Regarde. Si je te dis que j'ai fait un fort boyard avec arc, tu me crois ou pas? Regarde. Code. Anniversaire. Non, non, oui. Bah, j'essaye de te... Je suis sur un radeau avec Damien. En fait, le TP qui est à côté du fort, j'ai pas accès. Seul pour moi. Attends, j'essaie de trouver le fort pour te le montrer. Voilà. Ah ouais, le frère de... Ah non, il est mis à... Regardez ça. Vous l'aurez vu, c'est un fort boyard. Ah, t'étais là ? Son arc. Donc, vous avez toutes des cellules avec des épreuves à passer. Vous allez devoir gagner des clés pour ouvrir la salle du trésor. Ensuite, vous allez devoir... Je l'ai déjà appelé. Ensuite, vous allez devoir... Voilà. Donc voilà ce qu'on peut faire avec de l'imagination et arc. Ce qu'on faisait aussi, c'est du scarabée ball américain. Donc c'est des matchs de foot avec des kangourous et un scarabée. Qui donnait ceci. Faut qu'on gagne 5-0 comme toi, toi aussi. Ils se défendent quand même un peu mieux, hein. Ils se défendent mieux là. Attention dans ta gueule. En vrai, les verts ils sont mêlés. Après 58 minutes, ça se fait bien. Mais j'essaye! Allez les verts à 6ème! Un match de foot! Allez, qu'on marque encore! Match de foot sur Arc! Allez, on les marque rouges. Encore! Allez! Allez, oui, non. Allez les rouges! Allez les rouges! Non, vous pouvez pas le faire! Allez les verts, marquez! Il reste 7 minutes! Allez là! Ah, contre-attaque des verts! Ah, non, il s'est trompé de côté. En Espagne, on appelle ça une manie. Allez, allez, goal! Ouais! Les rouges ont marqué! Vous voyez, on peut en faire des choses hein, sur Arca. Faut juste de l'imagination. Ah oui, je me souviens, oui. Je m'en souviens, tueur de bison. Bah, vous êtes les bienvenus, hein, ceux qui veulent jouer avec nous. On demande pas de participation. C'est gratuit. Regardez. On a 6 serveurs. Et malheureusement, ils sont vides. Pourquoi? Ben parce que, ben, malheureusement, Arc a fait son temps, je pense. Hein.
Regardez, je vous mens pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 serveurs. Il y a un moment, j'en avais 12 et je gérais plus de 100 personnes dans ma team. Et j'ai remarqué un truc. Quand je fais mon comeback, eh ben, il y a beaucoup de gens qui reviennent. Donc il faudrait pas s'étonner que les gens reviennent sur Ark. La preuve, il y a déjà 2-3 connectés dessus. Ah oui, t'es sur PS4, je m'en souviens. Je m'en souviens. Bon allez, j'arrête de parler. Mon stuff. Putain, il est où mon stuff maintenant? Oh, c'est pas possible. Bon, c'est pas grave. Ah si, c'est grave. Bon alors, après, on en était où? J'ai débloqué 2 niveaux de suite. Bah merde. Bon, soit. Voilà le fameux lit dont je vous parlais. Ça, c'est le truc le plus important sur Ark. C'est qu'une fois que votre lit est posé dans votre maison, vous respawnez dans votre maison tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sauf si le lit est détruit, bien sûr. Alors, donc les drapeaux. Une torche. Une tente. Et... un truc très important, une longue vue. Pourquoi? Parce que grâce à la longue vue, vous allez pouvoir voir les niveaux des dinos et leur level. Parce que, en général, quand vous tamez un dino, bah, vous cherchez le plus haut level. Parce qu'au plus haut level il est, au plus de dégâts il aura, au plus de poids il pourra prendre, au plus de vitesse il aura. Enfin voilà, vous m'avez compris. Et alors, cet instrument-là, il sert justement pour regarder les niveaux des dinos. Et alors, ben, comme on peut faire des bébés sur Ark, ben, vous allez devoir trouver des mâles et des femelles. Donc grâce à la longue vue, vous allez pouvoir trouver les mâles et les femelles. Ensuite, la massue, le drapeau, la marmite suspendue pour faire des recettes, une boussole que je ne me suis jamais servie, que j'ai jamais craftée d'ailleurs, et un canoë. Voilà. Je vois pas trop l'utilité de crafter quoi que ce soit là-dedans, pour l'instant. Donc on va passer au niveau 9. Niveau 9, on va mettre de la vie. Voilà, là maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Non, quand on sera niveau 10, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi? Parce que tout simplement, là on commence tout doucement à évoluer. Et vous voyez qu'on débloque des boomerangs, on débloque des bolas pour immobiliser des dinos. Le niveau suivant, on va débloquer l'arc avec les flèches. Donc on va pouvoir commencer à chasser vraiment. Voilà. On va passer au niveau 10 directement. Et on va aller tuer tous les raptors qui nous ont fait chier depuis le début. D'accord? Donc on va mettre... de la vitesse ou du poids. Non, je vais remettre un peu de vie. Voilà. Là, on va partir sur une séance de craft et on va partir tuer tous les raptors qui nous ont fait chier depuis le début. On va se venger. Allez, c'est parti. Donc, on va faire les choses bien. Hop, on met les trucs par dossier. On va d'abord se créer une armure. Bon, c'est une armure en tissu, mais c'est quand même une armure, ça vous protège. Et pour faire une armure, il faut de la peau et des fibres. Par contre, il faut vraiment que je retrouve mon corps où il était. Alors, il faut de la peau et des fibres. Ah putain, j'ai perdu ma peau, il était sur mon ancien stuff. Ah, casse les couilles. Et il est où mon bon stuff? Mon bon corps, il est où? Avec tous les faisceaux verts qu'il y a. De toute façon, les raptors, on les avait éloignés, hein, si mes souvenirs sont bons. Ah, voilà. Voilà, les raptors, on les avait éloignés. Alors, on va d'abord faire une chose très importante. C'est le lit. Alors, il faut de la peau et du bois. Ok. Avant de faire le lit, on va faire l'arc à flèches et les flèches.
pour aller chasser. Alors, l'Ebola, il faut de la peau, des pierres, l'arc à flèche, il faut de la fibre et du bois. Ok. On va farmer un petit peu et on va se construire tout ça. Voilà, donc, avec la hache, on récolte du bois. La pioche, on récolte du branchage. Voilà, du silex pour faire les flèches. On peut faire un arc à flèche, on va en faire 2-3 parce que ça casse très vite. Les arcs à flèche, ils cassent vraiment très vite. Voilà. On va faire des munitions. Voilà, 55 flèches, on a de quoi faire. Après, on va faire des bolas. Et on va pouvoir commencer à chasser pour du bon. Bienvenue à toi, 010. Ça va, ça vous plaît l'épisode, le tutoriel ? Je vois qu'il y a Witous. Salut Witous. Je sais pas pourquoi tu parles jamais dans mon live. Je sais bien que t'es pas timide pourtant. Allez hop, c'est parti. On va essayer de trouver un dino pour avoir de la peau. Dès qu'on a de la peau, on va faire un bola. Et alors vous allez me dire, mais Upsi, pourquoi tu gaspilles ta peau alors que tu en as besoin pour faire ton lit? Mais tout simplement parce que on va gaspiller de la peau pour faire un bola. Et avec le bola, on va immobiliser un dino qui va nous donner 3 fois plus de peau. Des fois, il faut savoir faire un sacrifice pour gagner quelque chose en plus. Et je vais vous montrer. Donc là, on va essayer de se trouver un petit dino qui rapide à tuer. Évidemment, il n'y en aura pas. Bon, alors je vais tomber sur un carnot ou quelque chose qui va me tuer. Avec ma chance habituelle. Mais regardez ça, moi, le nombre de stuff qu'il y a. Le nombre de fois que je suis mort. Ah ben oui, je vais faire ça comme ça. Tous les faisceaux vont disparaître. Allez, putain, il me faut un seul dino. Il n'y a pas un dino qui traîne. Vous verrez plus tard, hein. Vous allez avoir des tenues de plongée. Vous allez avoir, comment dire, des mitrailleuses, des fusils à pompe. En fait, vous évoluez comme l'âge de pierre, en fait. Vous débutez avec rien. Et au fur et à mesure du temps, ben, vous allez voir que ici, on a une lance en pierre. Ben, plus tard, on aura une lance en métal. Lance en métal qui va faire beaucoup plus mal. Et qui va casser beaucoup moins vite aussi. C'est un petit filou, Witous. Non, mais je te jure, il vient souvent, mais il parle jamais. Bon, par contre... Ah ! Raptor ! Par contre, quand je joue pas à GTA, je mets pas le logo Kellogg's. Je le mets que quand je joue à GTA. Oh merde, là, un trodon, 2 trodons. Putain, mais c'est pas possible, y'a pas un dodo qui traîne, quoi. Fait des choses bizarres, mon perso. Allez, mais monte. Mais... Il est fainéant, en plus. Oh, il y a du brouillard, je vois que dalle.
Vous allez voir, je vais tomber sur quelque chose qui va me tuer direct. Je vois rien. Là, il y a Nietzsche au Nice. Le problème, c'est que s'il est au niveau, il va me faire chier. On essaie de le tuer. Merde, il m'a vu. Ah! Alors ça, c'est vraiment un cancer aussi dans ce jeu-là. C'est un oiseau, il vous prend votre stuff. Lol, j'ai esquivé comme si j'étais le bonhomme. Il vous prend votre stuff et il vous le casse. Ça, c'est vraiment chiant, cet oiseau. Oh ben vas-y, on va voir ailleurs si j'y suis. Ça m'arrange. Allez, putain, il y a bien un truc à tuer quand même. Ah ! Un carnot ! Bon, on va aller voir par là. Bon, toi, t'es un peu trop gros pour tuer pour l'instant. Hein. Ah ! Il y a quelque chose dans mon cul ! Un raptor. Mais putain de merde ! Et j'ai pas posé mon lit encore. Reste calme, reste calme, reste calme, reste calme. Elle est où ma maison? Putain, à chaque fois je sais pas où elle est. Oh, il va t'en récupérer mon stuff maintenant. En plus, j'avais l'arc à flèche et tout. Débile. Je suis même pas défendu. De toute façon, y a rien à faire avec un raptor niveau 120. Si vous ne le bolassez pas, c'est peine perdue. Hein. Mais il m'a mis où ? C'est ma maison là-bas, non? C'est ma maison, ça? Non? Ben si. Ouais, y a des requins aussi. Il y a des mantas, il y a des piranhas. Il y a des serpents, enfin, il y a... Vous avez pas idée du nombre de dinosaures qu'il y a sur ce jeu. Et vous pouvez tout apprivoiser. Hein. Un requin, vous mettez une selle dessus, vous avez une tenue de plongée... Et vous allez dans l'océan, enfin vous faites ce que vous voulez, c'est... Ce jeu est ultra complet. C'est pour ça que je me pose vraiment la question, mais qu'est-ce qu'ils vont apporter de plus à Ark 2? À part peut-être un mode histoire, graphiquement ça sera plus joli. Surtout si c'est sur Unreal Engine 5. Ah, si c'est sur Unreal Engine 5, ça va être une tuerie. Hein. Je sais pas si vous avez vu la conférence Unreal Engine. Le prochain Tomb Raider sera sur Unreal Engine. Allez voir la conférence, vous allez tomber sur le cul. C'est une pureté graphique. On est carrément sur de la photosynthèse. Et le prochain Tomb Raider sera sur Unreal Engine. Et je pense que Ark aussi, hein. Ah, il y a un Fiomia là-bas. Oh, mon stuff, il est là-bas. Il y a le raptor à côté. Je vais devenir zinzin. Faites-vous plaisir avec les commandes, hein. Hein? Non, j'ai pas enlevé les commandes. Bah non. Non, j'ai pas enlevé les commandes. Ark 2 est prévu, oui. Hein. Mais on n'a pas de date. Hein. T'as jamais vu le trailer?
Regarde. C'est avec Vin Diesel. Il paraît que Vin Diesel sera dans le jeu. Voilà le teaser de Arc 2, pour ceux qui l'ont jamais vu. It's time to go. C'est parce que t'es pas sub, tueur de bison. T'es plus sub, je pense. Il faut être sub pour les commandes. T'as pas l'âge et t'as pas de PC non plus. Bon, la qualité est pas top, hein. Putain, hein. C'est pas du HD, ça. J'espère qu'ils vont pas nous faire ça là. Un jeu de combat où tu dois te battre avec tes poings et tes pieds quand même. À regarder le trailer, je suis en train de me dire qu'ils vont nous faire ça comme un jeu d'action. Parce qu'on voit quand même qu'ils donnent des enchaînements et tout, hein. Ah putain. Moi, je parie que c'est vers quoi on se dirige. J'avais jamais fait attention, mais je crois que c'est vers ça qu'on va se diriger. Un style comme Batman, où tu dois taper avec tes pieds, tes poings, faire des esquives et tout. Non, on ne peut pas faire ça. Voilà, c'est ici le plus joli. On n'a pas de date de sortie a priori, pour l'instant. On n'a pas de date. On a que ce trailer là, on n'a rien d'autre. Là, j'ai des frissons. Je viens d'avoir un frisson. Voilà ce que sera Arc 2. Ah ben, j'ai eu un frisson au moment de la musique. Bon. On en était où? Ah, il faut que j'aille rechercher mon stuff. Alors, je sais pas vers quoi ils vont se diriger.
Mais putain, j'espère qu'ils vont pas nous faire ça comme un style de combat avec Vin Diesel. Ce serait complètement con. Voilà, on va arriver tout doucement à notre objectif. Hop, j'ai vu qu'il y avait un Dilophosaure. On va le tuer. Comme ça, on va récupérer sa peau. On va faire des bolas. Bah évidemment, maintenant que c'est maintenant que j'ai l'arc à flèche qui a un dodo devant ma gueule, quoi. Voilà. Là, on est bien. On va avoir la peau qu'il nous faut. On va faire des bolas. Et on va se venger. Je vais placer un sac de couchage comme ça si je meurs. À côté de ma base. Voilà. Et voilà. On est parti. Maintenant, on est de taille à faire face au... Comment ? Au raptor. Je vais remettre la webcam. Hop. Voilà. Voilà. Là, maintenant, on est de taille à faire face au raptor. C'est moi qui vais aller le chercher maintenant. Viens ici, petite merde. Et c'est là qu'ils sont deux. Ah ben, qu'est-ce que j'avais dit ? C'est pas grave. Tant qu'ils sont pas l'un à côté de l'autre, c'est faisable. Par contre, il faut que je fasse gaffe, il y a le Carnot aussi. Tantôt, il y avait un Carnot. À moins qu'il s'est fait démonter. On va aller chercher celui qui est là-bas. Putain, merde, ils sont deux. Deux, trois! Ah ben non, c'est le Carnot, ça. Non? Attends, c'est quoi? Ah non, c'est un iguanodon qui se bat contre un raptor. Viens avec moi, toi. Viens. Viens ici. Allô? Allô? Pourrais-je parler à monsieur Leblanc juste une fois? Attends deux secondes. Je dois me venger. Allez, viens. Et voilà. Vous voyez? Là, il est immobilisé. Et vous pouvez le tuer. Alors, on vise toujours la tête. Ça fait plus mal. Et voilà. Et alors, on fait la même chose avec les autres. On prend un bola. Bon, là, ils sont deux, ça va être un peu plus chaud. Quoique, s'il y en a que un... Ah, ils sont trois! On va essayer de les avoir un par un. Viens. Je suis là. Merde. Pas grave, j'ai plusieurs bolas. Hop là! Merde, je vais mourir. Ouh, oh putain la chance. Oh putain, mais les autres ils vont... En fait un bola ça dure 30 secondes. Hein. Pas 30 minutes. Et il fouille hein. Hein, tu fouilles. Allez viens, tu voulais me manger. Mais... Ah merde. Oh l'enfoiré, ma brain. Ah 174. Oui, il fait mal, hein, lui. Donc là, je vais respawn sur mon sac de couchage. Hop. Et mon faisceau, il est là-bas.
Rocket League. Mais c'est mais comment ça se fait que ça marche pas les trucs pour toi a priori? Mais ce soir c'est RP mon cœur, comme d'habitude. Tu sais bien que le soir c'est... Mais papa il fait du RP. C'est moi où j'ai vu un alpha. Ah non, ouf. Ah mais j'ai plus de bola, merde. Pas grave. Si c'est grave, comment veux-tu que je fasse maintenant? J'ai plus de bola. Qu'est-ce qui me manque? Ah oh, il manque de la peau, putain. Oh mais je suis con, quand tu tues un raptor, en général des fois t'as des fléchettes tranquillisantes. J'ai pas pensé à garder dans son corps. Ah mais ils l'ont bouffé. Ça va, c'est pas trop sombre pour vous? Ah tiens, ici toi. Tu vas me servir. Maintenant les raptors. Ah, ils sont en train de se battre là-bas avec un stégo. Ah bah si le stégo les tue, ça va être in the pocket pour moi. Logiquement, il devrait les tuer. Il l'a eu. Oh, mais puis... Mais depuis quand ils attaquent eux? Mais... Je vais mourir par des moustiques. J'y crois pas. Je vais mourir par des moustiques. Jamais tranquille, moi. Bon, on va laisser les raptors tranquilles. On va continuer le tutoriel. Donc vous voyez, les bolas, c'est très 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 utile. Vous voyez, vous immobilisez le dino. Comme ça, il s'enfuit pas. Mais c'est pas possible! Mais... C'est Raptorland ou quoi? Péter un plomb. Allô? Allô? Pourrais-je parler à monsieur Leblanc juste une fois? Bah, à ton avis. C'est Raptorland où je me suis installé, il n'y a que ça. Regarde, il y en a encore un là.
Après Boyarland et Fort Boyard, Raptorland, maintenant. Il y a tellement de faisceaux ouverts, je sais même plus où est mon stuff. Je le dis pas, les prochains niveaux que je les mets en vitesse. Obligé. C'est le seul truc pour que rester vivant, c'est la vitesse. C'est quoi ça? Il y a Dracula. Ah merde. Oh putain mais... Alors, on peut pas dire que vous aurez appris beaucoup aujourd'hui, hein, sur le tutoriel. Si ? Comment mourir ? Ah ben, avec tout ça, il m'a piqué mon... Avec tout ça, mais il m'a piqué mon... Ah non, il est là-bas. Il l'a même pas achevé. Il est con, ce raptor. Je lui entame un Fiomia et il le tue même pas. Hop. Ça redonne de la peau à un Fiomia. Putain. Alors il me faut du branchage et des pierres. Vous voyez, ça c'est un pteranodon. Plus tard, vous allez pouvoir mettre une selle dessus et aller voyager où vous voulez avec. Donc là, je suis en train de me faire un stock de viande pour me nourrir et de la peau. Donc la pioche pour la viande, comme je l'ai toujours dit. Et la hache pour la peau. Bon voilà, là on commence à être pas mal. On a pas mal de peau, on va pouvoir faire notre lit. On va pouvoir se défendre. Alors un petit truc quand vous voyagez comme ça, voyagez toujours avec un bola dans vos mains. Comme ça, s'il y a quoi que ce soit qui arrive sur vous pour vous attaquer, vous lui mettez un bola dans les pattes et vous pouvez le tuer. Un exemple, là, il y aurait un raptor qui arrive sur moi, hop, je me retourne, j'y mets le bol dans les pattes et c'est fini. Bon, maintenant, s'ils sont plusieurs, vu la vie qu'on a au début, vous êtes mort. Hein. Déjà, un raptor, c'est chaud, mais deux, j'ai complètement ma maison. C'est pas possible. Et là, ceux qui jouent avec moi sur GTA RP, ils se disent « Mais putain, Upsi, il n'est pas physionomiste. » Mais en plus de ça, son sens de l'orientation, un gros zéro. Oui, mais je vous confirme.
C'est vrai. Elle est où ma maison? C'est l'autre côté, non? Je crois que c'est l'autre côté. Oh putain. Je suis trop lourd. Je crois que c'est par là. Hier, quoi, enfin, hier. Cette nuit, comment j'avais les nerfs. Si j'ai pas perdu 70 000 runes, j'en ai pas perdu une. Quand ma femme, elle m'entend. Ah! Mais c'est... Tiens, un manche. Vous voyez qu'est-ce que je disais? Toujours avoir un bola dans vos mains. Toujours. Mon bonhomme il a faim. Si je trouve pas ma maison, ça va pas le faire. Putain, mais elle est où? C'est ici pour... Si quelqu'un sait où est ma maison, merci de me le dire. Parce que là, je sais pas où je vais. Et je crois pas que c'est par là. Non, c'est dans l'autre sens. Et là, je sais ce que vous vous dites. Le mec, il veut nous apprendre à jouer. Il sait même pas où est sa maison. Il reconnaît même pas la map. Ah, je crois que je l'ai vu. Ah, ben, elle est sur l'île, là, en fait. Ah, oui. Ouais, peut-être que je mette de l'énergie parce que à peine que je cours 100 mètres, je suis déjà crevé. Mais est-ce qu'on peut passer à un niveau ou pas? Je vous ai expliqué tout la ligne ou pas? Non, du tout, j'ai rien expliqué du tout. Donc ça, c'est un pinceau pour mettre en couleur votre maison. Si vous voulez une maison rouge ou bien noire, ben voilà. Des boomerangs, c'est pas mal pour endormir les dinos, vous les jeter sur eux. Les bolas, je vous ai montré à quoi ça servait. La selle du parasaur, c'est quand vous allez apprivoiser un parasaur. Un mannequin d'entraînement, c'est pour savoir combien de dégâts vous faites quand vous tapez. Pour voir si vous devez augmenter vos dégâts ou pas. Alors, les petits plans de culture, ça sert à faire des cultures. Donc, c'est-à-dire, vous allez planter des graines, vous allez avoir des baies dans votre jardin, enfin tout ça. L'arc à flèches, les flèches, je vous ai montré c'était quoi. La selle de tortue. Ça, ce sont des lumières fluorescentes comme dans... Je sais dans quel film encore, je crois que c'est dans Predator.
il casse ça et il les met dans des cavernes, ça fait de la lumière. Ça, c'est pour faire de la taxidermie, pour faire des décorations de dinos dans votre maison, tout ça. Et ça, c'est l'outil pour faire la taxidermie. Voilà. On peut passer au niveau suivant. On va mettre la vitesse encore. Voilà. Alors, au niveau suivant, qu'est-ce qu'on a débloqué ? Vous voyez, mon perso, il a faim, il est en train de mourir. Hein, là. Alors, au niveau suivant, on a débloqué de nouvelles fondations. Donc, vous avez vu que ma maison était en bois, en chaume, donc en branchage. N'importe quel petit dino mort dedans, ça se casse. Ici, on va faire des fabrications en bois, donc qui seront plus solides et que certains animaux ne pourront plus casser. Ok ? Et le stimulant, c'est pour faire remonter votre torpeur si jamais vous êtes en torpeur. La selle de Morelatops, c'est la selle d'un dino. Et ça, c'est pour faire des maisons un peu plus jolies, avec des rambardes, des fondations, des trucs en triangle, enfin voilà. Le niveau suivant, je vais le débloquer aussi parce que c'est aussi des constructions. C'est pas grave si je meurs, c'est pas grave. Voilà, donc vous voyez, c'est des pancartes, une cage pour mettre vos copains dedans, pour les emmerder. Ou bien si vous faites des prisonniers en PVP, vous pouvez mettre les gens dans des cages. Des triangles, des rampes en bois. Des piliers pour faire des maisons sur pilotis, parce que si vous avez l'imagination, vous pouvez faire de très belles maisons sur arc. Des escaliers en bois, et ça, je sais pas c'est quoi. Alors, ce qu'on va faire, avant de mourir, c'est retrouver ma maison, déjà de 1, ce serait pas mal. Ok, je l'ai vu. On va faire un lit, parce que là, ça devient plus possible. Je vais faire le lit, je vais l'utiliser, comme ça vous verrez l'utilité du lit. Donc là, il me manque du branchage. Il faut que je tape avec une pioche dans un arbre. Ça va me donner du branchage et du bois. Mais plus de branchage que de bois. Pourquoi ? Parce qu'avec la pioche, vous récoltez plus de branchage que de bois. Et inversement, avec la hache, vous allez récolter plus de bois que de branchage. Mais ça, je vous l'ai expliqué dans le tout premier épisode. Voilà, on va faire notre lit. Avant de mourir, on va le placer dans notre cabane. Et on va pouvoir respawn dessus. Voilà, notre lit, on va le mettre ici. Voilà. Voilà, hop. Voilà, là, on est tiré d'affaire. Non, mais c'est ça que t'as pas compris, tueur de bison. C'est que je vais pas aller trop vite. Je prends mon temps pour expliquer chaque chose aux gens. Parce que regarde, les niveaux, j'en ai. C'est pas ça qui me manque, hein, les niveaux. Regarde, j'ai 5 niveaux à mettre. Mais je les mets pas. Pourquoi ? Parce que j'explique chaque rangée, à quoi servent les choses. Et si c'est utile, j'en fabrique pour montrer l'utilité. C'est un tutoriel, en fait. Mais bon, un tutoriel où on parle beaucoup, j'avoue. Voilà, donc là, je suis prêt à mourir. On va se suicider. On va aller dans l'eau, on va se noyer. Voilà. On va attendre qu'on meure. Ça vous plaît ? C'est un chouette concept, hein, moi, je trouve. Bon, bah, de toute façon, c'est pas nouveau. Hein. Y en a une chier des tutoriels. Hein. Mais peut-être pas aussi bien expliqué que ce que je le fais. Qui sait ? Voilà, donc là, je suis mort. Et qu'est-ce qui apparaît là ? Mon lit. Hop.
Et alors, à chaque fois que vous mourrez, vous allez respawn sur votre lit, donc dans votre maison. Donc maintenant, le problème de ne plus savoir où est ma maison, c'est terminé. Quoique, il y a un truc que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y a un timer entre chaque lit. Donc c'est-à-dire que si maintenant je viens là à mourir, ben je vais devoir attendre le timer pour pouvoir respawn sur mon lit. Donc, la petite astuce, c'est quoi ? Ben, c'est de faire 2-3 lits et les mettre l'un à côté de l'autre ou les mettre l'un sur l'autre. Comme ça, vous aurez toujours un lit où vous pouvez respawn dans votre maison. Mon stuff. Voilà. Là, on est bien. Là, on commence à être bien. Alors, maintenant, je vais vous expliquer la ligne suivante. Si j'ai bien tout expliqué, bien sûr. Ouais. On va prendre un niveau. On va mettre de la vie. Alors, ligne suivante. Alors, ça, c'est du ciment. Vous verrez que plus tard, pour faire des selles ou pour faire des armes et tout ça, vous allez devoir avoir besoin de ciment. Le ciment, comme la poudre d'étincelle, comme les narcotiques, vous allez les faire dans un mortier pilon, en mélangeant certains ingrédients. Mais ça, le mortier, je vais vous le faire, comme ça, vous allez voir à quoi ça sert. Donc, un tambour, ça c'est décoratif, la selle d'un dino, des pics en bois. Donc, admettons, si vous ne voulez pas que les dinos vous attaquent, vous allez entourer votre maison de pics en bois, et comme ça, vous serez en sécurité. Les dinos n'attaqueront pas votre maison. Alors ça, c'est un encadrement de trappe. Donc, si jamais vous voulez faire une trappe dans votre maison, et avec une échelle, ben, vous mettez une trappe. Ça, c'est l'échelle. Alors ça, c'est un pot décoratif. Ça, c'est la trappe. Et ça, c'est un filet à poisson. Un piège à poisson. Vous mettez ça dans l'eau et vous allez attraper des poissons avec pour vous nourrir. Alors, niveau suivant. On va mettre un peu de poids parce qu'après, on va commencer à construire en bois. Le bois est beaucoup plus lourd que la chaume. Alors, niveau suivant. Nous sommes au niveau 14. Toujours dans les fondations. Un escalier tournant pour faire plus joli. Des rambardes. C'est quoi ça encore ? Des passerelles. Une selle de pachy, donc une selle de dino. Les passerelles numéro 2. Des encadrements de fenêtres. Les volets pour les fenêtres. Et des fondations en triangle. On passe à niveau suivant. Ouf ! Oh là, on a débloqué beaucoup, là. Alors, ligne suivante. Alors, ici, on a débloqué... Ouf, 3 lignes. Ça, c'est tout ce qui est fondation en argile. Alors, il faut savoir un truc, c'est que sur Ark, vous avez plusieurs biomes. Vous avez la neige, vous avez le désert, vous avez la forêt. Voilà, vous pouvez vous mettre où vous voulez. Mais chaque endroit a ses conséquences. Un exemple, si vous vous mettez dans la neige, ben vous allez crever de froid. Donc vous allez devoir faire des tenues en fourrure pour pouvoir survivre. Ici, c'est le contraire. Si vous allez vous mettre dans le désert, il va faire très chaud. Donc il faut une fondation qui va vous permettre de vous rafraîchir. Donc vous allez construire en argile. Donc ça, ce sont les fondations en argile. Ok ? Les fondations pour mettre par terre, les murs, les plafonds. Voilà, c'est toujours le même système. Alors ici, la poudre à canon, ben, comme je vous ai dit plus tard, vous allez débloquer des armes à feu. Il vous faut de la poudre à canon pour faire des munitions. Encore une fois, la poudre à canon, ça se fait dans un mortier pilon. Ça, c'est pour tirer en l'air. C'est pour des fusées éclairantes. Si, admettons, vous jouez en tribu, parce qu'un exemple, vous pouvez jouer avec vos potes dans la même tribu. Si, admettons, vous êtes perdu et qu'il fait nuit... que vous voulez montrer où est votre pote, eh ben vous tirez une fois en l'air, et il y aura une fusée éclairante qui va apparaître en l'air, et comme ça vous pouvez retrouver votre pote.
Alors ça, c'est l'armure numéro 2. Donc c'est une armure en peau. Donc vous avez les gants, les bottes, le chapeau, le torse et le pantalon. L'armure en peau est plus costaud que l'armure en tissu et va vous donner plus chaud ou moins froid. Ok ? Ensuite, ça c'est un puits pour avoir de l'eau dans votre base. C'est utile au début, mais pour les fondations, pour tout ce qui est culture, tout ça, c'est pas assez. Mais c'est pas mal, mais vous pouvez pas les placer où vous voulez. Il y a des emplacements où vous devez mettre votre puits. Alors, des composts. Des composts, ça va nous servir plus tard pour faire des cultures. Vous allez planter des graines, et bien sûr, pour que ça pousse, il faut de l'engrais. Et l'engrais, vous allez le faire comment ? Avec les composts, en mettant de la merde de dino dedans, avec du branchage. Ok ? Et ça, je vous montrerai plus tard. Et alors, ça, ce sont les fondations en argile, comme je vous ai expliqué. On passe au niveau suivant. Du poids. On va mettre un peu de poids. Alors, niveau suivant. On est encore sur les bases de fondation. Quoique, ça, c'est une pierre tombale. C'est un truc... au cas où vous avez perdu un dino, vous voulez être un peu nostalgique, vous lui faites une pierre tombale, vous la mettez dans votre jardin. Ça, ce sont encore des structures en argile. Donc, vous avez l'échelle, les escaliers, les trappes, les rampes. Enfin, voilà, je vous ai expliqué au début. Ça, c'est la selle de Triceratops. Ça, c'est un radeau pour aller voyager où vous voulez sur la map. Attention, sur Ark, il y a des baleines. Les baleines détestent les radeaux. Donc si vous voyez une baleine et que vous êtes en radeau, elle va donner des coups de queue dans votre baleine, dans votre radeau, et votre radeau va tomber en miettes. Alors ça, c'est un dérivé de la box, à part que vous mettez 45 objets dedans au lieu de 15. Donc c'est plus utile de faire des trucs comme ça vous pouvez mettre vous pouvez stocker vos ressources, vos armes et tout ça dans les armoires. Ça c'est un ballon qui, je sais même pas à quoi ça sert. De toute façon il faut du truc de gas bag et ça on n'en a pas. Je crois que c'est un ballon pour envoyer du courrier, mais je suis pas sûr. Je sais pas, je suis pas sûr. Alors niveau suivant, on va se mettre à 300 de poids. Alors niveau 17. Au niveau 17, pour commencer les cultures, il va falloir faire des irrigations. Pourquoi ? Parce que les cultures, il vous faut de l'eau pour que vos plantes elles poussent. Donc, tout ceci, ça va vous servir à aller chercher de l'eau dans un océan ou dans une mare ou quoi que ce soit et la ramener à votre base en ayant des tuyaux. Verticale, horizontale, incliné, des tuyaux intersection, des tuyaux pour pomper l'eau, enfin voilà, et des robinets pour faire couler l'eau aussi. Mais tout ça, je vous montrerai plus tard. L'escalier en colimaçon en argile, ça c'est des tapis pour faire une belle maison. De quoi tu parles ? L'espèce de ballon ? Ça ? Je sais pas c'est quoi. Je sais pas. Voilà. Donc là, on a tous nos niveaux qui sont mis. On va commencer à farmer en bois. Quelle heure il est ? 2h16, ça fait un peu beaucoup déjà. Bah écoutez, je pense que je vais arrêter le tuto pour l'instant. Je trouve qu'on a bien avancé, on a expliqué pas mal de choses. 2 heures de tuto, c'est bien, on va pas aller plus loin. Donc on continuera demain. Moi je vais enlever ma tenue. Je vais aller un petit peu sur la PS5. Je sais pas sur quoi, peut-être sur Elden Ring. Ou alors peut-être... je sais pas. En tout cas, je vais couper le live arc, ça c'est sûr. J'espère que ça vous a plu. J'espère que je vous ai appris pas mal de choses.
Et je vous donne rendez-vous tout de suite sur la PS5. Et si pas, vous pouvez suivre les aventures de Lorenzo Rossi sur GTA RP, sur le serveur Kellogg's RP, pour moi le meilleur serveur que j'ai fait actuellement. Je vous invite à me rejoindre, hein, si jamais vous avez plus de 18 ans, que vous cherchez un bon serveur RP, je vous conseille vraiment de venir là où je suis. Et voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout de suite, à ce soir ou à demain. Bisous tout le monde.